Eh bien, salut tout le monde, c'est Lemmy Kuba et aujourd'hui on se retrouve pour la coupe étoile. Et donc, on avait pris au dernier à la coupe champignon, on avait pris Mario, après à la coupe fleur, on a pris Bowser. Et ben, la coupe étoile, on va prendre qui ressemble à une étoile. D'ailleurs, une petite blague, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Peach ou Wario? Écris-le dans les commentaires. Peach ou Wario, ne dis pas Jonathan. Tu dis ça, de toute façon, ton message est supprimé parce que tu as aurais fait le kikou. Voilà, donc on va utiliser mon personnage. Enfin, allez, vous savez de qui je parle. Le premier ennemi de Mario, Donkey Kong. Starchirp! Alors, c'est quoi, Wario? Ah, putain, ils sont longs ces courses-là. Mais la dernière course, c'est des souvenirs dans Mario. Si t'as joué à Mario Kart Wii, tu dois savoir que cette dernière course-là dans cette coupe, elle est très stylée. Et ça va me faire rappeler des souvenirs. Après, je me demande si sur la version Wii, et ben au final, c'était un remix. Et donc, oui, c'est vrai, je vais le refaire. Donc, je vous laisse la musique. Allez, à tout de suite. C'est nul, hein, je le sais. Mais voilà. Oui, je sais, c'est très nul, hein, je vous l'accorde. Mais voilà. Je suis un boum. Et j'ai un troller. Oh yes, accélération du Donkey Kong. Si on peut mettre ça à Wario ou à Peach, ça sera magnifique. Mais là, c'est cool parce qu'au final, on reste en accélération. Hein. Allez, Peach, prends-le toi. Ok, quelqu'un se l'est pris. Ah bah, c'est Mario, il se l'est pris. C'est con, Mario. Hein. Ah, t'es dans Mario Kart? Mais Mario ne sait pas jouer, apparemment. Ah, lol. Allez, dégage le gros. Quand même, elle est longue, il est long ce circuit. Hein. Je pense même que je vais vous faire un tour en ellipse là, tellement que c'est long. Alors, non, mais c'est trop long là. Tu ne peux pas ne pas dire que ce n'est pas long. Et 2 minutes 10, 2 minutes 11 même pour un seul tour. Dis-toi que dans les autres circuits, en 2 minutes 11, t'es au moins au troisième tour. Dis-toi juste ça. Hein. Attends, 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 attends. Accélération du Donkey Kong. Ouais! Il est en mode supersonique. Donc il va te niquer. Ok, j'arrête les blagues. Et bah Wario, quand il s'agit de la course, quand il s'agit des courses dans les Mario et Sonic, c'est le dernier, mais quand c'est dans les Mario Kart, c'est le premier, hein. What? Est-ce que c'est ma carapace de tout à l'heure? J'ai un doute là. Mais je pense que c'est ma carapace de tout à l'heure. Et toi, sale bâtard là? Ouais, il a pris mon item! Je vais te dire à Cranky. D'ailleurs, ouais, dites-moi si vous voulez un petit let's play sur Donkey Kong 64. Car ça pourrait être cool, malgré que le jeu est pas mal buggé et que je ne pourrais pas le faire en entier. Et si je peux pas le faire en entier, bah vous comprendrez tout simplement en regardant le let's play de Xerneas. Juste en regardant son let's play, vous comprendrez pourquoi je ne pourrais pas le faire en entier. Car en fait, Xerneas et moi, on a le même émulateur de Nintendo 64 sur nos téléphones.
On a le même émulateur. Donc bah logiquement moi aussi je ne pourrais pas arriver jusqu'à la fin et donc faire que 4 mondes sur les 8. Bon d'un côté, au moins, peut-être qu'on pourra pas vous faire tout le jeu, mais au moins on vous aura quand même fait la moitié du jeu, vu qu'en final on pourrait, car sur l'émulateur qu'on a, et c'est le meilleur émulateur qu'on a sur téléphone, il n'y en a pas d'autre. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà quoi. Oh l'esquive. Et donc bah voilà. Au moins on pourra vous montrer. Au moins on vous aura montré la moitié du jeu. Donc c'est quand même pas mal. Après pour la fin du jeu, je vous mettrai un youtubeur en description de la dernière vidéo, mais voilà. Oh j'ai eu Wario, GG. GG donc, tu auras peut-être des bananes ce soir. Ouais, des bananes. Parce qu'en plus, si je vous fais Donkey Kong 64, j'ai réfléchi aussi. Si je vous le fais, vu que ça a été fait par Rareware, bon, si tu connais pas Rareware, va dormir. Va dormir, va dans le coma. Te réveille plus. Car c'était les développeurs les plus connus chez Nintendo, sauf qu'ils ont été rachetés par Microsoft. Ah ouais. Le pire, c'est qu'ils ont. Voilà le truc, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie et même Conker's Bad Fur Day. Bon déjà le jeu Conker's il est en anglais sur la N64 parce qu'il était trop violent. Il était trop violent pour une console Nintendo donc ils ont fait en anglais le jeu. Donc si tu voulais avoir le jeu, t'étais obligé d'y jouer en France en anglais. Donc dis-toi que si tu connais pas l'anglais, ouais t'es dans la galère. Une très grosse même. Je suis le troller, allez! Allez, Kong! Donc, ouais. Donc, oh yes, je l'ai eu. Oui, et donc, voilà. Si. Et donc, en final, ils ont été achetés par Microsoft. Et donc, quand ils ont été achetés par Microsoft, ils ont fait un bon jeu Kazooie. Bon, ça avait quand même des très bons graphismes. Le seul truc, c'est qu'il était ultra nul. Il était vraiment nul. Je l'ai testé une fois, mais c'était le pire Banjo-Kazooie. Hein. Car même, hein, y a un Banjo-Kazooie sur Game Boy Advance. Même ça, je pense vous le faire, hein, tellement que ça risque d'être mieux que celui sur Xbox 360. Et là, ce que je vous dis, c'est tout ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Tu tapes Banjo-Kazooie sur Google, tu verras qu'il y en a eu un. En 2008 normalement, ouais, en 2008, et il a été fait sur Xbox 360. Et non sur la Wii. Enfin, même si elle aurait pu être sur la Wii, mais non. non, il a été acheté par Microsoft. C'est fini. Ah même ça c'est sur Mario Kart Wii. Ouais, et donc aussi, pour Donkey Kong 64, si je vous le fais, je vous ferai aussi les trois premiers opus de Donkey Kong. Non pas les Donkey Kong en version arcade, non. Mais les Donkey Kong sortis tout simplement sur Super Nintendo. Donc Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Déjà que les jeux sont pas mal, mais le game over, ça a quand même une. Les game over, de base, ça peut te foutre la rage. Mais donc Donkey Kong Country 1, 2 et 3, ça a vraiment une bonne musique. Une très bonne. Allez voir le petit casse. Et donc voilà, ça a quand même une très bonne musique, les Game Over. Bon, surtout dans Donkey Kong Country 2 et 3, parce que Donkey Kong Country 1, ça fait musique quand même un tout petit peu glauque. Ça fait un tout petit peu glauque. Surtout si tu joues, il fait nuit, t'es carrément dans le noir, ça fait très glauque. Après, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo tout simplement où je vous montre. Les game over, tout simplement de Donkey Kong Country 1, 2 et 3, je vous montre les game over. Vous me dites en description, bordel, dans les commentaires, vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je vous montre les game over, comme ça moi, vous les connaissez. Ou vous voulez plutôt que je vous le fais, ou que vous les connaissez tout simplement en totale découverte. Oh! Merde. Bon, Peach, tu es prête à crever?
Moi, le truc que je me dis, c'est que c'est assez bizarre. Mario, Donkey Kong, Peach. T'imagines, à la place de Peach, y'aurait Pauline, la première meuf à Mario? Dis-toi que ça serait quand même très chelou. Bon, allez, dégagez les deux cons. Toi aussi, tu... Non! Non! Je me suis fait avoir par une banane et c'est mon plat préféré! Non, moi, je n'aime pas les bananes, c'est dégueulasse. Ce que je vous dis, c'est vrai, je n'aime vraiment pas les bananes. Là, je vous dis la vérité, j'aime pas les bananes. C'est dégueulasse. Et ça peut être très chelou parfois. Hein. Surtout qu'au collège, quand il y avait une banane à la cantine, bah, y a un pote, il a fait un truc très chelou avec. Je pense que si t'as des potes chelous, tu sais qu'est-ce qu'il aura fait. Hein. Je sais que tu sais ce qu'il aura fait si t'as un pote chelou, tu sais ce qu'il aura fait avec la banane. Soit il se l'enfonce dans le cul, soit il fait genre de. Bah. Ça, je peux pas le dire. Le deuxième truc, je peux pas le dire, c'est trop dégueulasse. Mais c'est un peu drôle. C'est drôle, mais c'est dégueulasse. La logique, s'il vous plaît, existe-t-elle en France en 2017? Je ne pense pas. Moi, les bitches. Ouais. Tiens, fuck you, Wario! Oh non, 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 non. Oh oui. Prends-toi ça dans la race et je suis premier, bitch. Le GG, il est porté, il est pour le... Bowser est dernier. Ah. Bon, on va dire que c'était pas sa course. C'était pas sa course préférée, on va dire ça. Déjà, peut-être que pour le château de Bowser, la quatrième course, peut-être qu'il sera premier, hein, qui sait? Non, premier, je pense pas, mais au moins il sera dans le top 4. Au moins ça. Attends, ça. Ça, je sais qu'ils l'ont remis dans Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe, la logique. Ouais, mais je m'en rappelle plus après s'ils l'ont mis dans un autre jeu. Ah merde! Ça commençait! Merde! Ah, ma touche A, elle a bugué! Mais je m'en fous, je vais rattraper mon retard en 2 secondes, tu vas voir. Clac, clac. Ça va être tellement beau. Hey, j'ai une bonne punchline pour leur dire. Je vais être tellement rapide que le vent qu'ils vont que je vais leur donner un mouchoir pour qu'ils se mouchent. Oui, je sais que je l'ai mal dit cette punchline, mais si tu n'es pas con, tu l'auras bien compris. Bon, bah je suis cinquième. Je suis sixième. Casse-toi! Eh, hey, le combat Mario vs Donkey Kong. Qui va gagner? Ah ouais, c'est vrai aussi. Est-ce que vous voulez que je vous fasse les deux jeux Mario vs Donkey Kong qui est sorti sur DS, pas sur Game Boy Advance, pas sur 3DS, pas sur Wii, sur la Nintendo DS, la normale. Bon, déjà pour que je vous le fasse, il faut que j'arrive à terminer le jeu parce que je suis bloqué au deuxième monde, oui. Ah non, parce que le jeu c'est un casse-tête mais ultra chiant. Je sais pas. Bah, déjà qu'à la base c'est vrai qu'un jeu Donkey Kong c'est rageant. Et pour rager, je peux vous dire un seul truc. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Je me le suis acheté. Je suis arrivé. Déjà il y avait des boss. J'en ai chié. J'en ai pris. Il y a des boss. J'en ai pris. Non, surtout le cinquième boss. L'ours polaire là, j'ai tellement galéré que j'ai pris une journée entière pour le battre. Surtout qu'aussi, bon, ça va, il y a des niveaux cool comme des niveaux chiants. Mais bon, voilà. Mais c'est comme le combat final dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Le combat final, je suis arrivé jusqu'au combat final, et bah le boss final, j'ai même pas réussi à le tuer. Malgré que parfois j'étais, bah, j'étais proche, mais. J'étais proche, mais j'avais de la chance. Mais je m'étais fait niquer à chaque fois à la dernière minute. Ah bah oui. Quand j'étais presque pour le coup final, eh ben je me suis fait niquer. Eh bah ouais. Ça fout la rage. Par contre, Wario, pour un gros, il est rapide, hein. C'est Dr. Eggman ou quoi? Oula, t'as fait un double saut Peach, c'était assez bizarre. Ouais, meurs gros. Ah, merde, je suis tombé dans les herbes.
J'espère ne pas me faire attaquer par des Pokémon. Oh la salope. T'es méchant, Peach. Bitch, t'as pris mon objet. Va au diable. Meurs pour toujours. Salope. Va te faire capturer par Bowser dans Mario Odyssey. Le pire, c'est que Mario Odyssey, il sort dans pas très longtemps. Ah, Wario, tiens ça dans ta race. Bon, bah tant pis. Bon, bah je pense que pour cette course, on sera deuxième face à Wario. C'est la honte. Premier, si on a vraiment de la chance et Wario nous dépasse pas. Wario ou Peach. Non, mais par contre, tu dégages. Hein, elle s'est pris pour qui, elle? Elle s'est pris pour qui? Dis-moi, elle s'est pris pour qui? Ah, maintenant ils ont peur, hein. Ils savent que s'ils me touchent, ils se font niquer. Ah, tant mieux. Déjà, même si j'aurais les carapaces rouges, ça sera encore mieux. Car là, ils ont juste à me dépasser, ils se font niquer. Ouais! Vous croyez quoi? Vous allez rien faire, les gamins! Vous allez rien faire! Ok! C'est con, hein? Allez, casse-toi. Ah bah, on est premier. Non! Non! On s'est fait troll! Non, mais le plus chiant dans tout ça, c'est que l'Akitu, il prend bien tout son temps pour te faire. Non, mais. C'est quoi ce jeu? Non, mais en plus, ça te met. Non, mais. Hé! Hey, non! Mais. Je vous fais une ellipse là parce que ça va être vraiment très très long. Allez, à tout de suite. Dites-vous, juste après l'ellipse, ça a arrêté de bugger. Hein. Donc, bah. À quoi? Parce qu'en plus, je suis obligé de la refaire si je suis sixième. Bon, bah. On se retrouve. Bon, et bah, je suis arrivé deuxième. Et dites-vous, c'était chaud. Cette course, c'était chaud. Ok, donc maintenant, Peach, c'est le même problème que Mario à la dernière vidéo. Soit on gagne, donc on est premier, soit ben, on perd et on est niqué. Mais de toute façon, si on perd, je m'en fous, je vous aurais au moins montré toutes les courses. Ah, ça, c'est des vrais souvenirs. Ce circuit, c'est les vrais souvenirs de Mario Kart. Surtout quand ils l'ont remis sur la Wii, j'ai réussi à trouver un glitch un jour pour aller où il y avait le Trump enfermé dans une cage. Mais bon, je sais pas si c'était parce que mon jeu était vraiment buggé, ou parce que tout simplement c'était moi qui avais fait de la merde. Je me demande toujours cette question-là. Mais je pense que c'est parce que j'ai été buggé. En même temps, j'étais petit quand j'avais trouvé ce glitch, alors voilà un peu de respect. Oh mon dieu, y'a que des Bowser! C'est con, ils ont pas mis des coupes à ligue, ou au moins un Bowser Junior. Tu vas crever, toi. Gros porc! Va te faire, d'accord. Cette course, c'est des vrais souvenirs. Surtout quand j'y jouais contre des amis, je les explosais, c'était beau. Oh! Bon bah Peach, c'est fait niquer. C'est ballot. Non mais par contre, ça, je me suis toujours demandé pourquoi ça le fait pour nous mais pas pour les autres joueurs. Je me le suis toujours demandé. Car il y avait Wario qui était avant moi, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait pour lui? Ah bah non, ils l'ont fait pour toi parce que j'étais... Bah, non mais va te faire foutre, Peach. Et en plus, il y a aussi Wario et Bowser, ah bah voilà. Allez, les quatre autres, ils se ramènent là, les petits cons. Les trois autres petits cons. Les trois premiers petits cons. Non mais par contre, allez vous faire foutre, hein. Vous ne me dépasserez pas, bande de gamins. Enfin, vous gagnerez. Vous ne passerez pas en premier.
Maintenant, ça la joue soit moi, soit Peach en premier. Les autres, j'en ai plus rien à foutre. Par contre, si Wario est premier et je suis deuxième, là, j'ai des chances de battre Peach. De très grandes chances. Mais je préfère quand même être premier pour le style. Tu vois, le style du Donkey Kong Koopa. Allez, dernier tour maintenant. Je stresse. En plus, il y a Bowser qui me colle au cul. À mesure, là, il y a du stress, il y a du suspense. Non mais Peach, bordel, mais va te faire foutre. Oh. Même moi, j'ai pas compris qu'est-ce que ça a dit, mais bon. Service email désactivé. Oui, mais je m'en fous, je le ferai après la vidéo pour l'espace. Ah, d'accord, c'est parce qu'en fait, je peux plus recevoir d'emails parce que j'en ai eu trop, donc faut que j'en supprime. Oh putain. Dites-vous que non. J'ai carrément des emails. Genre, quand tu mets la cloche sur YouTube, bah moi j'en ai mis pour certains youtubeurs. Bah, tu veux savoir quoi? Le gros troll, c'est dans ma boîte email. Tous les trucs avec la cloche, bah c'est dans ma boîte email. Non, mais wesh! Il a bugué. Bon, bah on a perdu officiellement cette course. Hein. De toute façon, je m'en fous si on n'aura pas la coupe. De toute façon, c'est sûr qu'on n'a pas la coupe, là. Peach, elle a terminé. Hein. Non, mais wesh. Non, mais explique-moi, là. Explique-moi comment c'est possible. Bah oui, je suis dernier. Putain. Si je retombe, c'est un troll. Non, mais là, je m'en fous. Je ne vais pas me retaper la course. Hein. Ah, je l'ai déjà fait une fois. C'est bon, et pas deux, hein. Là c'est bon, c'est la fin de la vidéo, voilà, j'ai perdu, c'est magnifique. Attendez. Oula. Bon, attendez, je fais une ellipse, je reviens. Ouais, donc en final, vu que j'ai dû quitter l'émulateur pour supprimer une application, il y a eu un très gros bug tellement bien. Je suis obligé de me retaper la course, mais bon, vu que vous savez que je suis arrivé 8ème, vu qu'en final vous avez vu la coupe et je suis arrivé 8ème, bon, j'ai fait mes calculs et vu que j'aurai 0 points, au final je serai arrivé normalement soit 3ème, soit 4ème. Donc, voilà. Mais bon, voilà quoi, j'ai pas envie de tout me retaper parce que ça va être vraiment chiant. Et surtout que normalement, bah, je suis soit 3ème, soit 4ème. Donc, c'est pas vraiment grave. Mais bon, voilà. Donc, voilà, moi j'ai juste à vous dire si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemikoupa. Putain, je peux dessiner, c'est trop cool. Et puis moi, je vous dis à plus tout le monde.